Policier qui portait nom Marc Eli Azayel, qui sortit dans 22e promotion, mourit assassiné hier dimanche là, dans rue Catalpa, dans Delma 75. Agent 3 Silla, qui fait partie de base Simo, mourit après attaque bandit a fait contre l'église. Rendez-vous du Christ. Youn Nabadio tombé en babal, la police tout. Mesdames et messieurs, puis devant, nous gagnons gros tension qui était éclaté hier après-midi dans Wanamet. Mesdames et messieurs, côté, eh bien, citoyens, yo décidé pour yo lever campé pour fermer partie frontière Paioa, alors que République Dominicaine prévoit ouvrir par là, je jeudi en là, pour capable faire commerce ensemble avec Haïti. Après plus passer 22 jours, président dominicain t'a choisi fermer frontière par là avec Haïti. Eh bien, la police, eh bien, disperse foule si là, ensemble avec gaz lacrymogène, mais peuple a décidé yo pas camper. Nous prenons qui j'en situation lui-même l'étape déroulée dans Wanamet. Direction centrale la police nationale d'Haïti a libéré samedi 7 octobre 2023 trois jeunes femmes body exam te kidnappé et puis kembé dans un vieux caille dans tabac 36 dans opération Sila. Yon body mouri avec deux lotes sorti blessé. Ex-sénateur Niplan Nenel Kassi prend Améra. Il répond vendredi passé à question enquêteur USCC sous augmentation patrimoine qui dépassait 400% dans l'intervalle déclaration que l'on a fait avant d'être arrivé sénateur. Nous allons attendre qui argument Nenel Kassi utilisé pour être capable de défendre tête li. Bois Calé a continué, mesdames et messieurs, dans Juvena, il y a un bandit qui sorti dans le village de Dieu qui arrivait tombé en bas de la population. Et bien, bandit, si là, prend Bois Calé, population, mettez du fait sous lui. SPNH 17 mandé révocation avec démission directeur général la police nationale d'Haïti par intérim dans France LB dans une lettre yo adressé ensemble avec direction centrale police nationale d'Haïti. Ensemble nous prajoignons tout détail dans un petit temps qui pas trop long. Ancien DG la police nationale d'Haïti Mario Andresol exprimé sous collaboration lui-même ensemble avec MINUSTAH dans moment côté l'armée pays Kenya a préparé pour capable rentrer en dans pays d'Haïti. Information yo ap mené nous en Israël dans international là mesdames et messieurs côté Palestine ak Israël vraiment dans une guerre dans moment là et israélien yo victime en pile attaquant haïtien Franzi Pierrot qui a joué dans club Maccabi Haifa chapé de justesse en bas main et bien moun sa yo ti bilan sa yo gen un tremblement de terre qui passé dans Afghanistan qui fait plus passer 2000 victimes et puis n'a tourné ak information internationale yo dans États-Unis. C'est toute information ça avec divers slots qui pral faire essentiel actualité nous jodi a. Bonjour tout le monde, bienvenue sur plateforme Paola. Non pas c'est Fabula Jean-Charles et c'est un plaisir pour nous capable rentrer la caillou à rubrique information ça bien avant nous aller plus loin après temps pour nous capable dire merci ensemble avec vous même qui like, commenter, partager vidéo nous yo. Merci ensemble avec vous même qui toujours invité. Yo monde qui dans entourage ou abonné ensemble avec plateforme si là, puis capable toujours être connecté avec bon information. Jodi a c'est lundi 9 octobre 2023. Sans nous pas tarder, nous allons commencer ensemble avec information nous. Hier 8 octobre 2023, mesdames et messieurs, dans une messe qui tape chanté dans l'église Rendez-vous du Christ Delma 75 dans rue Catalpa, eh bien mesdames et messieurs, divers bandits débarqués dans l'église si là pendant adoration, ils ont kidnappé plusieurs fidèles dans l'église là avec quelques membres dans le comité, eh bien ils ont été visés puis ils sont capables de kidnapper pasteur Julio qui c'est un citoyen américain qui a dirigé l'église Rendez-vous du Christ. Selon déclaration pasteur qui a dirigé l'église, mesdames et messieurs, eh bien, yo ta vini pour capable kidnapper. Moun sa yo habillé ensemble avec un bel costume, débarqué en dans l'église là, et puis séquestré plusieurs moun pendant que gen 12 lotes qui te campé de yo avec uniforme, soit team sou yo ap retetan pour capable, eh bien, fini action. Selon pasteur, yo allé ensemble avec divers matériels en dans l'église là, et gen yon policier qui portait nom Marc Eli Azayel qui c'est un agent 3 22e promotion
qui mourit assassiné en babal bandit et bien devant l'église alors que l'était fidèle en dans l'église si là. Ça fait deuxième fois que gen un bagaille comme ça qui passait en direct parce que je me rappelle très bien dans date 2 avril 2021 mesdames et messieurs vont voir exactement dans date 2 avril 2022 gagné yon action comme ça qui était posé et bien vont voir. Est-ce que je me rappelle très bien de l'histoire? Oui, 2021. C'est 2021, mesdames et messieurs. 2 avril 2021, il y a une action qui était passée concernant l'église adventiste, côté en direct. Bandits débarqués, ils ont kidnappé divers mounes dans l'église là. Encore une fois, situation ça répété. Est-ce que autorité, cette fois-ci, après si décide de prendre responsabilité, ou du moins, il y a quitté situation, continuer exagérer en dans pays là. Gros tension dans Wanamet à 8 octobre 2023. Divers citoyens levés campés pour fermer frontières Saint-Domingue avec Haïti après plus passé 22 jours que président dominicain est arrivé fermer bon palier. Yo déclaré, yo pas acheter manger senti dans main République dominicaine, yo met kembe manger au dans main yo. C'est la police qui t'a pral disperser foule si là ensemble avec coup de gaz lacrymogène. Nous pral tendre mesdames et messieurs qui j'en situe son table déroulé déclaration mounio, c'est vraiment important pour nous capables de connecter en suivre qui Jean ça t'a passé sous frontière. Je m'appelle la ville d'Haïti. Je ne sais pas pour quelle raison, je ne pas la vie. Pour que les républicains aient un peu de temps, un peu de temps, un peu de temps. Et nous-mêmes, nous sommes des gens qui ont vu le pays. Pour nous, nous avons vu le pays. Que ça, que nous voyons, nous avons un problème. Que nous venons faire pour exécuter, ça, pour exécuter. Allez, merci. Libération! Action, nous interprétons action comme une action sauvagerie parce que normalement, la population a deux bras ouverts, la population pas gagné dirigeant. Après décision pour lui, normalement, que vous-même décidez d'acheter bloc, actuellement, pour venir faire des frontières parce que après deuxième déclaration sauvage, Luis Abinader là, que nous considérons que déclaration est plus mauvais parce que c'est une frontière. Pour les monsieur traiter nous que tout a bien goût, la balle nous frontière seulement pour nous l'acheter, nous ne pouvons pas bonne. Et bien nous décider, je dis, pour nous mettre bloc. Je vais nous mettre des blocs maintenant là pour nous mettre des blocs sur frontière. Elle a donné que condition réunie. C'est soit nous libérer, ou bien nous mourir. Elle a dit nous, il a mourir simplement. On a lâché son corps. On a lâché un peu. Et nous avons choupouillé. Donc, je nous dis que nous pouvons en nécessité pour produire. Nous qui déjà exposé à la paix, nous. N'a continué ma récession parce que nous estimons de jour en jour c'est humiliation, c'est déception. N'a continué à prendre dans la République dominicaine. Donc aujourd'hui, si quelqu'un nous dit qu'il a prouvé de me tirer, nous-mêmes aujourd'hui, nous dit n'a soudé et puis n'a compté bloc, n'a éclairé vite en tuer pour nous dire que la République dominicaine, nous devons vous servir, mais n'a continué ma récession. Nous ne pouvons pas accepter pour que normalement nous allons acheter simplement. Ouais, nous avons un problème chita, nous avons un problème dialogue entre deux États, mais accepter pour nous acheter, eh bien, sous pourrio, carotte pourrio,
nous disons non, nous prêts et nous tellement beaucoup prêts, nous prêts pour nous capables, eh bien, non seulement souder Bopanouan, mais également monter bloc par le Dominicain. Nous voulons accepter ça aujourd'hui. Voilà, mesdames et messieurs, c'est en partie ça qui t'est passé parce que gon l'autre vidéo que nous pral gagner pour nous wenn wanamet parce que citoyens ont dédoublé. Je nous entendre là, yo poko paré pour y aller acheter chou pourri dans mes républiques dominicaines, yo poko paré pour y aller acheter manger pas bon dans mes républiques dominicaines et ou pas ka ouvrir seulement pour acheter dans mon et puis commerce pas nous lui-même, li bloqué pas ka gen bagay comme ça. À noter que et maintenant, on a parlé là, gouvernement haïtien dit que il n'y a pas de problème pour y discuter ensemble avec le gouvernement dominicain. Mais il faut qu'il rappelle très bien que jusqu'à présent, le pays d'Haïti, c'est un pays qui est souverain. Donc, il y a un droit pour utiliser cette situation, même gens, tout, dans la faveur. Il y a un droit pour utiliser de l'eau rivière Massacre pour faire canal. Si c'est ça qui fait République dominicaine pas capable de fonctionner correctement, je suis désolé. Donc, il y a continué. En garde, mesdames et messieurs, Jean Bagayo t'a continué à évoluer sous frontière parce que c'est une situation qui est vraiment sérieuse dans le moment que nous avons parlé là. Situation ça qui mettait un paquet tête chargé bon côté pas citoyen au côté une gros menace qui plongeait sous mon wana met ensemble avec Nord-Est. Jusqu'ici, nous avons une révolution agricole. Nous prenons le travail pour nous faire garder. Quel que soit le monde qui trempe, quel que soit le chef qui trempe, on va faire là, la bouillie. Et parce qu'on peut faire nous, et parce qu'on peut faire nous, nous sommes peuple a dit tout dévoile pour le revendiquer. C'est vivre ou mourir. Vivre ou mourir. Nous sommes là, nous condamnons. Si demain, Dominique est ouvert, le portail va y avoir. Nous ne sommes pas ouverts nous-mêmes. Nous ne sommes pas ouverts. Nous ne sommes pas ouverts. Nous ne sommes pas d'accord. Ok, maintenant, il y a un message pour l'autorité. Qui est autorité de la loi là? Ou on va autorité même? Voilà, mesdames et messieurs, c'est comme ça bagaillou a déroulé. Ça pouvait nous que nous restons et pour Joe pour nous manger. Et donc, nous avons un chèque à tous les gens. Chaque mois, nous avons un chèque à tous les gens. La femme, il y a toujours un chèque pour nous. Il y a toujours un chèque à Haïti. Ça veut dire que nous avons un chèque. Moi, j'allais nous demander pour nous. Ça n'est pas d'accord. Mais avant que nous apprenions que nous avons un chèque à tous les frontières, nous avons un chèque à tous les gens. Donc, nous avons un chèque à tous les gens. Nous avons un chèque à tous les gens. Nous avons pas d'accord pour nous capables de faire les frontières, pour nous capables de faire les barrières. Donc nous-mêmes, ça va tromper. Aujourd'hui, juste avant de faire les barrières, nous fermons les frontières, nous les barrières, pour nous poser bloc. Et nous ne pouvons pas de provocation, non, non, reste avec Abinadel. Nous avons dit, reste sur Picapoto. Et là, nous avons regardé, nous avons regardé dans l'ordre, nous avons dit, reste sur Picapoto, police nationale. Nous avons dit, pas de dignité, mais nous avons dit, nous avons dit, nous avec nous.
Voilà, mesdames et messieurs, c'est comme ça situation lui-même l'étape déroulée sous zone frontalière qui relie République dominicaine ensemble avec Haïti. Eh bien, agent frontalier yo tabay garanti que yo pas ouvri douane pour commerce capable passer gen divers blocs qui te gétan commencé poser dans route si là. Direction centrale, la police nationale d'Haïti a libéré samedi 7 octobre là trois jeunes femmes body exam te kidnappé et puis kembe yo nan on vie ka équipe de Kofini nan tabar 36 non opération si là yon body mouri et puis de l'autre sorti ben laissé. Ex-sénateur Niplan, Nenel Kassi, répond vendredi qui s'est passé en là à question enquête ULCCO sous augmentation patrimoine plus passé 400% dans un intervalle qui est vraiment, vraiment petit. Et déclaration sa faite, mesdames et messieurs, avant que le sénateur, ancien sénateur, pour capable de défendre tête li, arrivé déclaré, mesdames et messieurs, que li pa gen anyen qui augmenté, au contraire, tout bagay correct. C'est une mauvaise interprétation que ULCC fait de bon BRH li possède yo. Comme si bon BRH yo pas fait partie de patrimoine que ancien sénateur là lui-même li possède. Donc, situation compliquée, puisque pour Nenel Kassi, bagay yo poko fin clair et li possible pour Nenel Kassi lui-même pedi yon paquet de biens que l'État possède. SPNH 17 là, qui c'est syndicat police nationale d'Haïti 17, mande révocation et démission directeur général la police nationale d'Haïti à France LB. Nan lettre yo adressé ensemble avec DGAI la police là, nan date 5 octobre passé, syndicat police nationale d'Haïti a qui a exprimé dégoûtance et répugnance face à la situation sécuritaire que pays d'Haïti qui a dégradé chaque jour plus dans le pays. Face ensemble avec ingérence et puis incapacité pour rétablir l'ordre à la paix dans le pays, syndicat exige démission France LB, directeur AI la police nationale d'Haïti. Ancien DG de la police nationale d'Haïti, qui c'est Mario André Sol, exprimé la sous collaboration ensemble avec Ministayo dans le moment côté l'armée Kenya a préparé pour capable rentrer dans le pays d'Haïti pour porter soutien à la police nationale d'Haïti afin pour déraciner gang. Eh bien, mesdames et messieurs, gen Mario André Sol qui t'a parlé sur une radio dans la capitale là. Nous prenons le temps de exactement qui s'allie penser de dossier si là et qui j'en collaboration ensemble avec Minusta que on paquet moun te qualifié quand même de réussi te passé en temps de déclaration Mario André Sol. Et le ou même ou te gen à charge de la police nationale d'Haïti, comme réalité a teillé sur le terrain, l'armement des bandits, ratio police population, armement des bandits et quantité casque bleu et policier et des Nations Unies qui est disponible pour opération et qui te approche en termes et opérationnels qui te bon au certain niveau de résultat. Moi-même, je pense que dans le cadre de ça, pas oublier dans le contexte que je te pour et direction générale de la police là, c'était après 2004, donc on m'était gagné un prédécesseur, et qui était gagné politique par lui, dans ce sens-là, et l'homme divine pendant 2005, nous connaissons comment la situation était, et m'a fait un bref historique de la situation en général dans le Corps Syndado, en termes de positionnement dans l'époque, ça va oublier cette situation, où on était gagné dans quoi des bouquets, Thierry, dans zone meilleure qui a pas de problème, qui a fait des kidnappés, mon météo dans la rage, si nous sommes bien. Et nous descendons de tout, pour le problème qui était gagné dans la cité soleil, dans Bélécou, avec 26 couteaux, on a besoin de gagner Belloni, mais quoi que nous fassions une zone pour Jadouia, ou bien, chaque gang, chaque côté, ça a tout. Gravine et Tibois étaient toujours bien en conflit, non, et pour ça. Et tu as gagné tout, le village de Dieu, pour qu'on paraisse comme si d'ado, en termes de comme si d'ado, il y a une gang qui est installée là mais moyennant, tu es toujours allé venir et tu es toujours constitué. Il y a un côté qui est allé, parce qu'il a fait émergence et de on base. Donc ça devient fait comme ça, et dans Thomasin, Keskov, et sous la boulade, des concernés, Kaskov, nous sommes bien, qui t'a kidnappé mon nom. Donc c'est peut-être parce que même, et dans Simon Pelin, des gentils blancs, et c'était presque et même petite configuration hein. Sauf que je dis monsieur il y a plus capacité il y a plus et armes il y a plus et il y a facilité tout pour capable de munitions donc ça c'est un bref historique qui a été fait de configuration terrain hein, dans l'époque que m'était prend et la police là donc le mine brani effectivement donc tu gagne zone de droit pas que de droit vous c'est du côté où tu pas passer
et le ça t'es qui problème fondation dalle ou t'es qui des monde de la police et des entités de la police qui t'es qui des missions spécifiques qui te connecte pas de police à un moment donné. Donc c'était vraiment était un spaghetti, donc on est sorti là-dedans. Donc époque ça effectivement la police a pas tant pile, nous toujours était des policiers qui étaient comme initiative de par eux même après justement départ président d'Aristide en 2004 pour être capable bon moins qu'aimer contrôler situation hein. Et tu as une idée partant que tu as un manque de leadership dans un moment qui vient faire que tu es grand policier tout qui était ça qui était poste là bon même toi je me dis pour la police ça 5000 ou bien 6000 monde et dans moment ça là ça ministère qui était en déployé pas oublié en 2004 tu as une première force et deuxième mission qui était faite qui était balayé terrain en attendant que le ministère est venu. Et le ministère est venu, effectivement, moi-même, j'ai 20 ministères là sur terrain, qui travaillent avec la police, aussi bien que les opérations qui ont été faites avant même que je devienne en la Cité Soleil, les opérations des Edgettes et autres, parce que tout le monde est après. Donc, nous sommes venus dans une situation où nous sommes obligés de changer de données et pour nous avoir au moins une perception de la sécurité. Je dis au moins une perception parce que, définitivement, la sécurité, c'est parce que ça lié. Donc, nous avons. L'un des arrivés dans la situation, côté que nous avons gagné un problème, ça a été présenté. Hein? Mm-hmm. Donc, nous avons considéré notre approche, simplement. Ratio police-population, dans le moment, nous pas songé qu'on va le beaucoup de 10 millions de monde, nous avons gagné 6 000 policiers. Mm-hmm. Donc, nous avons fait des comptes là. Donc, je dis, il y a peut-être une bout de 10 000 par habitant. Donc, il vient de faire que nous toujours en position de faiblesse. Moi, je suis allé, moi-même, c'est dommage que nous arrivions dans la phase, ça, je dis, dans, et, à faire pour notre intervention étrangère, pour venir nous aider, nous. Moi-même, si j'ai 95, moi, j'étais là, c'est moi qui pouvais vous servir de ville, le troisième pour moi, je l'ai déployé, hein. Moi-même, j'ai interagi avec monsieur qui était en charge pour battre, pour déformer la police, là. Et on m'a dit, le clair, après 10 ans, ainsi, j'ai appris, c'est comme ça, le bras, donc, effectivement, 2004, il était obligé de retourner encore pour nous, pour te capoter, support ou la police. Et qui s'est passé encore? Après le ministre, ça fait 13 ans ou 12 ans sous terrain, ou une grosse somme de bureaux intégrés et autres, qui viennent juste et autres, qui ont dit à nous, oublier qu'il est dans la phase, qu'on a pour demander, ou pour être réunis ou venir. Nous allons aborder l'aspect ça tout à l'heure, mais qui nous retourner dans côté pratique et opérationnel là, nous partager avec nous information sur ce qu'a été le ratio police et population, qui quantité casque bleu à disposition pour opération, et jeudi pour avoir un certain niveau d'efficacité en considérant par exemple le dernier rapport de madame Salvador au Conseil de sécurité, il dit que sur un effectif d'un peu plus de 10 000, il y a 3 300 policiers qui ont des tâches de sécurité et à proprement parler. Voilà mesdames et messieurs, c'était déclaration Mario André Sol, ancien DG la police nationale d'Haïti. Mesdames et messieurs, bien avant que nous allions dans l'international là, n'a annoncé bien sûr encore une fois et confirmé la mort Jimmy Simas alias Jimmy Danger qui était gagné un show qui était porté nom Oyes Show. Mesdames et messieurs, show si là qui était metté un paquet moun dans conflit, show si là côté Jimmy non seulement t'a essayé d'étendre moun yo, mais on dirait que il était allé trop loin, maladie t'es prend Jimmy pendant plusieurs mois là, quand il pas de fin bon, et ben il mourit dans l'hôpital en République Dominicaine Santiago vendredi qui saute passé à là. En tant que j'ai impression y est bon côté pas famille ensemble avec monde qui t'est resté bon côté la caille Jimmy Danger. Bonjour et bonsoir, ça va dépendre de l'heure où vous regardez vidéo ça. Et nous bel et bien présents dans l'espace côté que et rockstar là et artiste tambourineur animateur Oyes Show Tirité, à savoir Jimmy Danger, et côté que nous on va parler ensemble avec divers moun qui fait partie de famille, de amis, de collaborateurs moun Jimmy t'est levé ensemble avec lui. Donc nous va le faire parler ensemble avec yo. Et pour le moment, nous, dans cette zone-là, eh bien, nous, pral recueillir plus d'informations, côté que nous, pral capable de gagner toute information de
Rockstar là et qui ça bagay là nous pral konnen ensemble avec plusieurs responsables. Bon, juste avant on aller nous pral font parler ensemble avec yon ancien que nous tout connaît peut-être qui c'est monsieur Hébert Lucien. Et juste avant qu'il va le faire une visite, mais avant, eh bien, font il parler ensemble avec nous de Jimmy et pour au moins. Pour au moins, et moun kap suivou yo là, en bas live, là, capable de connaître qui est Jimmy dans GTI. Bonsoir, monsieur Hébert Lucien. Font il parler ensemble avec nous, c'est un plaisir. Et pour aujourd'hui, en sous et devant écran, 20 BFF. Bon, bonsoir 27 Info et son plaisir vous accueillir autour. Alors c'est pas le travail gain 38 ans le 26 octobre là. Monsieur son mec très intelligent. Il est venu ensemble avec nous là, l'emmène nous là. Et bonheur monsieur commencer dans l'activité culturelle. Yo. M'a songé premier spectacle et qui externe que monsieur le gain en dehors de Périville. C'était le 13 juin 1993 que mairie Pétionville avec UNICEF, tu as célébré la Journée nationale de Simone, tu as invité nous. Après ça, remercier nous pour l'aide pour nous, pour la participation au Gacha Peuple de Gain. Jimmy Danger était tout court là. 7 ans de ça. 7 ans, c'était 8 ans. 7 ans d'âge. Oui, 7 à 8 ans, monsieur t'a battu tambour. Donc, monsieur commencé bonheur dans la vie artistique, la vie culturelle là. Nous, on songeait, monsieur, qu'on passage avec Tiffane. J'ai accompagné Tiffane qui a chanté. Monsieur était venu à Bacop. Monsieur était venu avec Harmonique, le voyager. Après, monsieur était dans Disciple, nous avons fait un bon moment avec Disciple, monsieur est passé dans System Band, monsieur était dans Septembre, monsieur était dans CAI, bon, c'était la dernière expérience en jazz avec monsieur. Et puis, monsieur est venu comme One Man Show. Monsieur est venu dans, machine de relève, monsieur est venu dans l'émission Parle Oyer Show. Donc, moi, je voulais porter précision ça, je suis bien content de venir là, bon, mon cas, je vais me faire et pour mon yo. Je pense que c'est une voie autorisée pour la famille. Hein? Et famille Sima et Balthazar. Par exemple, monsieur, c'est Thérèse Balthazar qui est à la Kaili. Papa a décédé, le canne de ça. Donc, il est enterré au Kaili, dans le pays. Dernier demeure. Donc, monsieur, il est danger, il a vécu avec nous. Monsieur fait plus que 20 ans en carrière avec Diazio. Dans Sam Cité, au pilote de Gamba Cité. Jusqu'à ce qu'il vienne tomber dans les trois dernières années dans One Man Show, dans l'émission et Oyer Show. Ok, juste avant nous rentrer dans le détail qui est Jimmy dans GTA. Mais la veille que monsieur rentre dans les soupirs, j'étais ensemble avec Frère qui est entré là. Je suis absent là, pour nous, là, monsieur d'ailleurs. Mais je suis entré ensemble avec le sorti dans Centre-Ville, Pétionville, pour nous venir à Béguiville là. Je vais apprendre ça, c'est un bail qui casse les membres. Non? Et, bah, ils sont énormes. Je dis, mais j'ai des gens qui connaissent à travers Oyer Show. Mais il y a des gens qui connaissent monsieur depuis là, monsieur, tant que nous-mêmes, nous connaissons tout petit. C'est madame, moi, Marie-Josine Bonnet Lucien. Et il y a un seul qui a évolué, plusieurs seuls, monsieur, évolué dans le groupe Cachapé, ensemble avec nous. Et on compère tout, c'est Josué Similien qui apprend, monsieur, comment introduire monsieur, question de battre tabou. Ok? La question de battre tabou. Question de battre tabou. Madame, vous avez vu plusieurs groupes, notamment avec Mme Emirante Bradil, Mme Moss, Maman Richard, M. Pascal Madanjan, Mme Willer. Il y a 3 ans dans Oyer Show. Elle fait 35 ans d'existence. Elle fait plus que 20 ans à travers plusieurs jazz. Elle a fait mon vivre, elle a fait mon faim. D'accord? Donc, je suis très heureux de considérer ça. Parce que c'est très immoral et pour un monde, pour condamner le cadavre au monde. Où on show le fait pendant 3 ans lorsque le mourir à 38 ans. J'ai passé le paquet de jazz, gros jazz, il est bon nom. Et il fait carrière, il est comme percussionniste et il commence à chanter. D'accord? Voilà, mesdames et messieurs, Jimmy Danger qui pas seulement un tambouriné, mais un percussionniste aussi. Jimmy Danger, mesdames et messieurs, qui vivent seulement 38 l'année, bien sûr, on dit 37 ensemble avec quelques jours, puisque 20 jours plus tard, il a gagné 38 ans, mais il est arrivé mourir dans l'hôpital et j'en famille a mandé, j'en entourage l'a mandé, faut que nous capables au moins respecter mémoire Jimmy Danger. Citoyens ici là, mesdames et messieurs, quitte qu'on fait un paquet de mounerie sur les réseaux sociaux et on dirait que moi ça, côté n'a célébré, moi héritage. Mika Ben qui mourit 15 octobre année passée là, et ben nous gagnons un deuxième artiste qui arrivait tombé dans mes mois octobre si là qui portait cicatrice dans cœur nous.
N'a quitté et voilà, nous mettez bout là dans rubrique information, nous rendez-vous cassé. Pardon. Voilà, nous mettez bout dans rubrique nous là pour aujourd'hui, rendez-vous cassé dans région pour reste information. D'ici là, restez baignés, protégez-vous. Bye bye, à la prochaine.